better than we were. If you could only see. Bon ben voilà, moi je suis hétéro, j'ai une femme, je vais avoir un enfant, et donc je soutiens la manifestation pour le mariage pour tous, parce que ça soit un père tout seul, une mère toute seule, une femme, un homme, qui élève un enfant, je vois pas en quoi ou pourquoi ça serait mal. D'ailleurs il y a deux parents, que ça soit une femme ou une femme, ou un homme, ou une femme tout seul, ou un homme tout seul. Pour moi, c'est la même chose, donc arrêtez d'emmerder tout le monde. Tout le monde a droit au mariage, et c'est pas parce qu'un enfant sera élevé par deux femmes ou par deux hommes qu'il sera plus mauvais dans la vie et qui deviendra homo en plus. Parce que bon, être homo, c'est pas une tare ni une maladie, hein. C'est juste une orientation sexuelle et qui fait que, bah voilà, c'est la nature, hein, et c'est comme ça. Bon, enfin, moi, voilà, donc allez manifester le 27. Je suis hétéro et je suis pour la manif du 27 janvier. Et pourquoi? Bah parce que tout le monde a droit de se marier, bordel de merde. Ouais, et t'as des amis homo? Oui, j'ai des amis homo, mon meilleur ami est homo. Et je comprends pas qu'il y ait des gens qui aient manifesté pour que les autres aient moins de droits. Donc je trouve ça un peu bizarre, donc voilà. Donc il faut manifester le 27, c'est important. Eh bien, je suis hétéro, et en fait, je trouve que c'est vraiment un sujet important... Parce que je pense que tout le monde en fait a le droit à avoir sa liberté et que ça fait maintenant beaucoup de temps en fait que c'est dans la société. En fait, il n'y a vraiment aucun problème vis-à-vis de ça. Et en fait, maintenant toute la polémique en fait qui se fait autour sur des fausses raisons, des faux problèmes, qu'on parle en fait de pédophilie, de zoophilie, en fait c'est... Bah, c'est moyenâgeux. En fait, je pense que j'ai jamais vu en fait autant de raisons stupides depuis que j'ai lu des livres d'histoire. Donc voilà, il faut venir le 27 parce que y a des choses à défendre. Et puis de toute manière, c'est logique. En fait, tout le monde a le droit au bonheur, tout le monde a le droit d'être heureux et que de toute manière, ça blessera personne en fait, sauf ceux qui qui se mêlent de ce qui les regarde pas. Et après tout, parce que après tout, quand des personnes s'aiment, qu'elles soient en fait homme-femme, femme-femme ou homme-homme, ça pose pas de problème. Je veux dire, après, c'est un symbole important de se réunir en fait dans un pacte. Bonjour, je m'appelle Anne-Laure, j'ai deux enfants, je suis mariée et je serai à la manif le 27 janvier avec mes deux enfants. Parce que je suis pour une société où l'égalité est un principe, je trouve insupportable qu'on n'ait pas tous les mêmes droits. Je pense que l'homosexualité ne se décide pas, mais que l'égalité se décide. Donc je soutiens à fond cette manif et ce mouvement. On y va. Alors, je suis pour la manif pour le mariage gay, parce que simplement, je pense déjà que dans un premier temps, on parle beaucoup de ça, ça cache beaucoup de choses, on perd du temps sur ce genre de conneries. Finalement, c'est ôter des droits à des gens qui ont le droit d'être heureux. Et pour moi, le mariage, ça ne va pas changer la vie des hétéros. Enfin, le mariage gay ne va pas changer la vie des hétéros, et je ne comprends pas qu'ils veulent retirer du bonheur simplement aux homos. Donc voilà, enfin, c'est tout. Je comprends pas en fait que des gens s'emmerdent à perdre du temps là-dessus, alors que c'est notre droit à tous d'être heureux. Et donc tu viens le 27 ? Je viendrai le 27. Moi je suis hétéro et je pense qu'il faut venir à la manif du 27 parce que il n'y a pas de raison que ces gens n'aient pas le droit au bonheur comme tout le monde. Pour l'adoption des enfants, ben, je pense que c'est peut-être mieux qu'ils soient adoptés que à la DAS. Déjà pour commencer. Ensuite, pour les grossesses assistées, eh bien, je pense que ça se fait déjà. Donc, plutôt que de partir en Belgique ou ailleurs pour le faire, eh bien, autant que ça se passe en France et que ce soit bien encadré, ce serait peut-être plus intelligent. Voilà, c'est ce que je pense. Maintenant, je suis pas sûre d'avoir raison, mais au moins... ça le mérite. Parti. Bonjour, je suis Julie. Je suis en couple avec mon compagnon. Je suis hétéro depuis 15 ans. On est ensemble, on a trois enfants. Je soutiens à fond la manifestation du 27 et j'espère que tous les homos auront ce qu'ils veulent.
sachant que je pense que les hétéros ne devraient même pas dire ce qu'ils pensent de tout ça parce que c'est pas notre business. Je suis pour l'union bien sûr des homos et la PMA, la procréation pour les homos, et j'espère qu'ils feront plein de beaux enfants grâce aux lois françaises. Étant hétérosexuel et père d'une fille homosexuelle, j'irai avec des amis homosexuels et leur fils hétérosexuel à la manifestation pour le mariage pour tous du 27, à l'appel de oui, oui, oui. Venez-vous aussi.